Bienvenue sur le channel. Il y a un truc vert ici. C'est bon. C'est transparent donc. Bref, aujourd'hui on se retrouve. Alors j'ai une idée. Parce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de voir en action la collection Disney Vilain. Plus que de gens qui m'ont dit surtout ne fais pas ça. Donc j'ai décidé d'en faire. Mais au lieu de faire une semaine, je vais faire 3 jours. Une, ça s'appelle comment? Comment je vais l'appeler? Une collection 3 jours. Non, une collection 3 looks. Après je vais marquer 3 ambiances, mais. Oh, à tes souhaits. Tu dis pas merci? Ah ok, merci. Voilà. Donc je voulais faire ça avec vous. Si c'est un concept qui vous plaît plus que les une semaine une palette, parce que en termes de vues, les une semaine de palette et une palette, même si ça me fait tellement plaisir de les faire, mais en termes de vues, c'est vraiment très mauvais pour ma chaîne. Et du coup, mais je ferai peut-être genre 3 jours au lieu de 7 jours. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la première journée, ok? Mettez un thumbs up si l'idée vous plaît. Et nous allons attaquer. Est-ce que s'il vous plaît, je peux avoir un thumbs up pour ma coiffure? Parce que j'ai fait un effort, ok? Merci. Nous allons attaquer tout de suite. J'ai pris quelques produits au hasard de la collection, dont la palette, parce que je pense que sinon ça va être difficile. Je vous approche tout de suite. Vous savez ce que je vais faire pendant que je prime. Vous savez ce que je vais dire là. Vous savez. Je vais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Laetitia. Merci du fond du cœur Laetitia de sponsoriser cette chaîne. Ça me fait tellement, tellement, tellement chaud au cœur et ça me fera toujours chaud au cœur à chaque fois que quelqu'un va sponsoriser la chaîne. C'est toujours la même chose, je sais. J'ai pas 10 000 façons de dire que je suis très reconnaissante et très touchée que vous comptiez sur moi et que vous valorisiez mon travail. Donc merci énormément. Et si ça vous tente de faire pareil que Laetitia, oui j'ai pas fini. Je vais mettre petit i ici, vous pouvez le cliquer et ça va vous envoyer directement chez Patreon. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois. Bien sûr c'est volontaire, je n'oblige personne. Un like, un commentaire, un abonnement à la chaîne, c'est tout aussi important pour moi. Mais merci à tous ceux qui font tout ça pour moi et qu'on puisse se retrouver tous les jours. Voilà, merci encore. Je vais prendre la couleur tragique et je vais la mettre sur toute ma paupière. J'ai une petite partie sèche ici, je sais pas ce que c'est. Mais elle est belle cette couleur. Dans le pan on disait juste un beige, mais on disait c'est un beige rosé un peu. Oh, on appelle. Vous avez jamais le croire, je vais devenir une adulte. Je m'en vais chez Costco. Vous connaissez un peu Costco, si vous n'êtes pas... Si, il y en a un en France. C'est une espèce de grande surface un peu qui vend tout en gros là. Voilà, je vais aller là tout à l'heure. C'était pour ça qu'on m'appelait. Alors, au moment où je vous filme cette vidéo, on est lundi 15, mais hier il y a eu Game of Thrones saison 8. Ne me spoilez rien, je suis à la saison 5. Est-ce que vous étiez content ou pas? Moi je sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je suis toujours contente de retrouver les personnages. Et donc j'imagine votre joie, si elle est là. C'était bien, est-ce que ça valait le coup d'attendre ou pas? J'espère que oui quand même. Je vais prendre la couleur de Fate, qui est le bleu. Je vais faire un look très bleu, je sens que ça va être très très bleu. Parce que bleu. Je prends le même pinceau. Oulala, c'est pigmenté. Mais quand j'avais vu les swatchs de cette palette, c'était pas aussi pigmenté. Je suis vraiment ravie. Ok, je ne sais pas quoi faire pour la suite. Je vais prendre la couleur Jet Sam. Elle a l'air très belle. Je vais la mettre dans mon coin interne, je pense. J'essaye sans eau pour commencer. Voir si ça va être bien ou pas. Je vais pas la mettre dans mon coin interne, je vais la mettre ici au milieu. Oh!
toute beauté. Je voulais essayer la couleur Revenge, qui est l'espèce de noir pailleté, presque gris pailleté, je sais pas trop. On va voir ce que ça donne sans l'eau. Je pense qu'il mériterait genre son make-up à lui tout seul en fait, ce Revenge. C'est très beau en fait, les paillettes elles restent, je suis contente. Oh, on a commencé à regarder deux séries. On a commencé à regarder la série qui s'appelle Black Summer sur Netflix. Encore une histoire de zombies, c'est vraiment très cool, j'adore. En plus, les épisodes sont courts. Genre 30 minutes, 35 minutes. Des fois 40, mais bon, c'est pas si grave. C'est la préscience. Et il y a une nouvelle série qui s'appelle Eugene Friends avec Gad Elmaleh. C'est en anglais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit en anglais. Ça me dérange pas, hein, mais je m'attendais à ce qu'ils fassent une série en français. On a vu le premier épisode, ça va, pas mal. Faudrait voir la suite. Je vais prendre le noir qui s'appelle 101, comme 101 dalmatien, mais c'est un noir gris un peu. Juste pour un petit peu fumer l'extérieur. Et au coin interne, je voulais essayer un Jelly Match, parce que why not? Donc j'ai pris Just Your Voice. Celui de Ursula, ma préférée. Est-ce que ça existe des 8e de Cut Quiz ou pas? Parce que peut-être on pourrait inventer ça. Oh. Je vais faire un... Je vais un petit peu nettoyer ici et tout. Je vais faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Et voilà. Alors, j'ai fait mon blush et mon bronzer. J'en ai mis beaucoup parce que je ne veux pas mettre beaucoup de choses sur les lèvres. Et je voulais contrebalancer un petit peu. Mais j'ai pas tout terminé. Il va falloir un petit peu estomper ici. Et j'ai un Glitterly Obsessed bleu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, c'est toujours comme ça que ça commence, hein. C'est toujours comme ça que ça commence et après ça tu vas chez Costco et t'es maquillée comme quelque part, comme une jaguar volée. En même temps je m'en fous. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais aussi spécifier que pendant tout le mois d'avril, si c'est votre première commande, vous avez 20%. J'ai un lien référé que tout le monde peut avoir d'ailleurs. Et voilà. Je le laisserai en bas aussi. Et ils ont des mini paillettes turquoises à l'intérieur, c'est trop. Je vais leur mettre au coin interne, mais c'est pas fait pour les yeux ces paillettes. Je continue à le répéter, je le répéterai à chaque fois que je mettrai sur mes yeux. Elles sont pas faites pour ça, elles sont faites pour le corps, mais je mettrai pas ça dans le corps, hein. Ni dedans, ni dessus. Hein. Oh, oh, j'aime bien. Ok, ensuite je vais reprendre la couleur bleutée, la couleur mat de Fates, et je vais tapoter ici avec ce genre de bleu et noir. Je préfère travailler tranquillement parce que ça fait peur. Je prends la couleur 101, qui est le noir mat, noir gris mat, je sais pas si c'est un gris ou un noir encore. Et j'en mets ici. Je prends ce highlighter de Colourpop, c'est celui de Ursula, et je vais aussi le mettre au coin interne. Je vais faire ça tout de suite avant d'oublier. Toute beauté. Vous pouvez appliquer ces highlighters avec le médium que vous voulez, hein. Donc avec les doigts, avec l'éponge ou avec un pinceau. Moi j'utilise vraiment comme ça me convient. Je préfère l'appliquer au début au pinceau, puis après ça l'estomper
avec une éponge pour que ça se fonde plus, étant donné que c'est une texture un peu mousse, semi-crème, on va dire. J'aime bien quand c'est fondu sur la peau. Comment j'ai pu me faire ceci? C'est pas du maquillage, non. C'était là quand je suis arrivée. Personne m'a rien dit. Je vais mettre un gloss. Et c'est le gloss qui s'appelle My Pet. Et c'est aussi celui de Ursula. J'ai même pas fait exprès de prendre tout Ursula en fait. Mais c'est un, comment dire, un heureux événement. Bref, c'est un heureux hasard. Voilà, c'est ça, parce que c'est mon personnage préféré. Je l'ai déjà dit. Oh! Je n'attendais pas à ça du tout. Oh, c'est beau! Oh, c'est sublime. J'adore ce gloss. Il est magnifique. J'espère que ce look vous a plu. Mettez un thumbs up si c'est le cas. Essayez de deviner ce que je vais faire demain aussi. J'aimerais bien savoir si vous avez une idée de ce que je vais inventer pour l'ambiance de demain. Et bah écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir créé ce look. Et c'était vraiment. Le bleu était vraiment plus. Était vraiment plus facile à utiliser que je pensais. Et ça se blende super bien. Ça s'estompe. Je suis très 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 agréablement surprise. Et pourtant, j'ai commencé avec les couleurs pas fastoche. Ça. Et du noir. Et elle, j'étais vraiment pas sûre en termes de si ça allait, les paillettes allaient rester. Donc j'ai commencé avec les couleurs, j'étais so-so. Celle-ci, c'est sûr qu'elle était magnifique. Demain, la suite. J'espère que vous serez là. Et si vous hésitez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça, c'est gratuit. Et la vidéo d'hier est là. Et puis, je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et merci de faire. De pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire ça, qu'on puisse s'amuser ensemble et propager des paillettes et de la couleur un petit peu partout. Donc merci énormément. Je vous retrouve demain pour un prochain look. J'espère que vous serez là vraiment. Et à bientôt. Bye!